Salut à tous et à toutes, c'est Wario. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront 2, la campagne qu'on va commencer tout de suite, enfin qu'on va continuer. Choisir mission? Ah, on peut rechoisir. Et ça, c'est pas mal, ça, bon truc à savoir. Donc la dernière fois, on s'était. Ah, on voit même notre personnage et tout. Et on peut changer d'arme, ça, c'est cool. Je sais pas ce que. A280, elle est un peu pourrite. Le TL50, c'est pas le. A280 CFE, elle est pas mal, je trouve. Donc on s'était quitté sur un combat de vaisseau. Je n'ai pas pu finir. Fondeur, le Dauntless. Bon, là on va avoir un chargement de 3 heures, tout va bien. Donc comme je vous ai dit, je suis malade, je suis enrhumé, j'avais un début de mal de gorge comme une angine, mais bon après c'est parti, tant mieux. Parce que là franchement j'aurais pas pu vous faire de vidéo avec une angine, c'est horrible quoi. Pour moi c'est la pire maladie, bon, hormis le cancer, hein, parce que le cancer oui c'est la pire maladie, mais bon, ça ne compte pas, je parle de maladies genre mal de tête, enrhumé, angine, je parle pas des maladies rares ou du cancer, c'est ça que je veux dire. Parce que le cancer maintenant il est plus rare, hein, tout le monde peut le prendre quoi. Bon, est-ce que ça peut commencer maintenant? C'est un peu long, c'est chiant. On est sur la planète Fandor, on est au-dessus plutôt. Oh. Les chargements sont embêtants, hein. Il veut mettre 36 000 étoiles noires, hein, parce que ça, c'est pas l'étoile de la mort. Franchir les étapes clés afin de déverrouiller du contenu supplémentaire. Ok. Alors, on va voir si je suis toujours bon. Ok, ça va. Donc je vous rappelle qu'on joue Hidden Versio, une méchante en fin de compte, et ça c'est vraiment pas mal, regarde, je vais même faire un petit truc comme ça. Ah j'aime bien. Oh. Attends, je peux faire un boost. Oui je peux faire un boost. Attends, je vais aller là-dedans. Est-ce que je peux aller là-dedans? Sinon je vais me cracher comme une sombre merde. Hein. Ah, non on peut pas y aller. Ça ou c'est X-Wing là. Alors d'ici que la vidéo sortira, j'aurai certainement regardé le film Star Wars 8. Pour moi, je ne l'ai pas encore vu. Je vous donnerai mon avis quand je l'aurai vu, sans spoil bien sûr. Ah, c'est ça qu'il faut détruire, j'avais pas vu. Oh, joli l'effet spéciaux. Alors maintenant il faut détruire ça. Non, ça. Non, 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 c'est pas ça. T'inquiète pas, j'ai mon brevet de pilote. Attends, mais là je comprends pas. Ah, j'ai cru qu'on attaquait les croiseurs interstellaires, donc je me suis dit c'est pas normal vu que c'est à nous ça. Est-ce que je peux aller dedans? Oui. Donc ne pas se prendre de l'électricité, ça serait bien. Je crois qu'on peut pas se prendre de l'électricité si je dis pas de conneries. Chasseurs en approche. Détruisez ces vaisseaux. Ils sont où? Ok. Alors je sais pas c'est quelle planète là. Mais en tout cas c'est très 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 bien fait. Franchement c'est pour ça que j'ai envie de travailler dans le dessin. Mais bon je suis pourri en dessin. Enfin ça dépend quand je m'applique. Mais sur le dessin sur ordi je sais pas trop faire en fait. Ils sont faciles là quand même. Je conduis à l'envers, tout va bien. C'est bon. Par contre, eux, faut tous les avoir quand même. Vous allez vomir, ah ouais. Attends, si j'arrive à passer là-dedans. Oh, je vais vomir. Oh, le con. Tirer sur les pinces. Quelle pince? Ah, ça. Voilà. J'ai explosé les deux en même temps, on aurait dit. Freine, 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 freine. Oh, tata. C'est bon. J'ai des mots bizarres. Oh, le bug. Oh, le beau. Oh, le bug de mon tir de laser. Joli bug, hein. Trophée obtenu, le Dauntless. Oh là là, regardez-moi ces graphismes. Et encore, je suis pas en 1080p, je crois, malheureusement. Et c'est réduit.
Franchement, je trouve que c'est le jeu le plus beau que j'ai jamais vu. Excellent travail aujourd'hui, commandant. En cinématique, c'est sûr. Regardez-moi ce casque, comment il est fait. L'amiral nous a demandé de localiser une installation impériale secrète sur la planète Pilio, un endroit appelé l'Observatoire. Apparemment, l'Empereur y aurait entreposé des artefacts qui pourraient être utilisés contre nous. En raison du danger qu'ils représentent, l'amiral souhaite un déploiement minimal. Une escouade, un seul agent. Dell, en temps normal, j'accomplirai cette mission moi-même. Mais vos compétences techniques pourraient s'avérer utiles pour pénétrer dans le bâtiment. Allez-y, localisez l'Observatoire et détruisez tout ce que vous y trouverez. Oh oui! Oh, je voulais ça, justement, une planète avec de l'eau. Oh oui, c'est magnifique. Si l'Empire est ici, ce que j'ai senti est vrai. Cet endroit doit cacher quelque chose de spécial. Tu restes ici, R2. Leurs scanners ont sûrement dû nous repérer. Oh oui! Oh, c'est magnifique! Regardez ça! Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est magnifique! Alors déjà d'une. Je voulais incarner un héros, c'est fait. Oh, je peux pas regarder sa tête, c'est comme dans les Star Wars. Oh. Alors je voulais incarner un héros, et là, parfaitement, j'avais la bouche ouverte. Parce que là, quand t'es pas près du tout et que tu vois Luke et R2-D2, et ce qui me fait rire, c'est quand même quand R2-D2 il fait son bruit, c'est quand même marqué en sous-titre R2-D2 sifflement. Hein. C'est quand même assez drôle. J'y vais, R2, j'y vais. Comment je l'ai fait? Après, ce qui me fait rire aussi. Oula. Oula, non. Oula. Je peux pas mettre à couvert. Ça va être dur à faire silencieux là. Ah bah voilà. Oui, j'ai un sabre laser. C'est tout? Allez, je vais donner de l'action là. Ah, c'est trop loin. Ouf. Alors après, je voulais vous dire aussi que les graphismes que je vois, vous pouvez pas vraiment les voir comme je les vois, parce que là, j'ai une télé 4K, donc... Après, il manque plus que la console 4K, et puis là, ça fait vraiment sublime. Y'a plus personne ici. Ah. Je dirais que l'Empire cherche quelque chose, lui aussi. Il est où? Tellement que c'est beau. Ah. Ouais, même pas. Il est quand même violent, Luke. Hein. Est-ce qu'il me fait penser, c'est que je me dis, ce Star Wars Battlefront se déroule entre les épisodes 6 et 7. Bon, je ne sais pas si ça correspond à l'histoire, je pense pas. Au moins qu'il donne version à la fin, meurt. Mais sinon, ça expliquerait pourquoi Luke est parti sur Takodana, la planète dans le 7 qu'on voit à la fin. Et qu'on voit Luke, en fait. Je ne sais pas, hein, mais bon. C'est un peu dommage l'effet donné quand... Oh! Il est parti où? Attends, je vais réessayer. Et voilà les renforts qui arrivent. Je suis concentré là, mais c'est génial. Avec la musique et tout, mais bon, les droits d'auteur, ils vont être présents, hein. Je crois que j'ai pas eu de droit d'auteur dans le premier épisode, je crois. Pas sûr. J'ai toujours voulu être un Jedi. Après, c'est dangereux d'être Jedi quand même. J'espère qu'on pourra incarner des Wookiees aussi, ça serait génial. Oh, regardez. Oh, ce que je voulais faire. Oh oui. Ah, par contre, arrêtez. Là, je suis en manque de vie. Où êtes-vous? Ah, bien joué. Bien joué. J'ai été trop vite. Trop gourmand, on appelle ça. Trop gourmand. Ça va, les checkpoints là, ils sont mis. Oh, il est tombé. Faut que je vais l'éliminer.
Il est éliminé. Eh, par contre, je vais pas mourir, hein. Où sont-ils? Il est où? Oh, lui. Ce n'est pas ce que je voulais. Comment ça? Mais si tu voulais détruire l'Empire. Fouiller la caverne. Eh, mais j'adore ce genre de mission, quoi. Eh, dites-moi qu'il y aura des monstres aussi, ça serait vraiment sympa. Il y a quelque chose là-dessous, c'est... contre nature. C'est ce qui m'a appelé. Imagine, on voit le feu Dark Vador. J'espère qu'on aura des combats de sabre laser et tout, quand même. Il dirait bien que je ne suis pas le seul à pouvoir me débarrasser de la vie. Boum! Oh là, c'était violent. Oh le beau! Avec sa tourelle. Hop là. Oh! Il a volé lui. Oh rien, il se passe rien dehors, non. Non. Il y a juste lui qui fait de la gym, là, gauche, droite, avant. Avant, arrière. Voilà. C'est galère quand même. Détruire. 3, 2, 1. M'en douter. Cinématique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui êtes-vous? Je t'ai entendu appeler. Tu avais l'air d'avoir besoin d'aide. Oui, c'est vrai. Vous pensez pouvoir me sortir de là? Ne bouge pas. Je sais qui vous êtes. Mais de l'Empire, lui. Parce que tu me l'as demandé. C'est pas le premier ordre, maintenant. Oh yes! Enfin non. Non. Ça marchera pas. Ça oui. Non, attends. J'ai entendu des centaines d'histoires sur les Jedi. Quand j'étais petit sur Coruscant, ils me terrifiaient. Mais vous... Ah, vraiment. Il faut qu'on travaille ensemble si on veut sortir d'ici. Tu cherches quelque chose. Moi également. C'est la Force qui nous a réunis. Sacré coup de chance. La chance n'explique pas tout. Ah oui, la Force. C'est ça qui vous a permis de tuer mes hommes? C'est grâce à ce sabre laser? Je suis désolé. C'est ce que je pensais. Alors pourquoi ne pas m'avoir tué? Ils ne m'ont pas laissé le choix. Voici. Comment ça maintenant, t'as pas envie d'attaquer l'Empire, hein? C'est pas normal ça. En fait, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez rejoindre ma page Facebook qui sera dans la description, hein, parce que si vous tapez Warriors, vous ne le trouverez pas. Donc si vous voulez me suivre... Ah ouais. Tout à l'heure, j'ai dit ouais parce que je voulais des insectes, justement. Je voulais des bêtes. Juste Star Wars est connu par les Stormtroopers, tout ça, mais aussi par les créatures. Oh, génial. Est-ce que je peux l'attaquer? Non, c'est pas la meilleure idée. T'as quoi qu'il est méchant? Ils sont en colère. Où ça? Ah. Cette membrane, on dirait du béton. Il durcirait presque au toucher. Ça se brise aussi au toucher. C'est là. On se rapproche de l'observatoire de l'Empire.
Alors c'est pour ça que tu es là. Mais ne vous en faites pas. Je suis là pour les détruire. Et plus personne. Attends, sur le rocher. Un instant. Oh. L'observatoire est protégé. Si je ne désarme pas les systèmes, les chaussures sont sales, hein. Cette caverne va partir en fumée et nous avec. C'est couvert en bras. Je vais dégager le terminal. Ça ira? C'est mieux. Pendant ce temps-là, R2, on se demande ce qu'il fait. Le compte à rebours est officiellement lancé. Que pour ceux qui ont vu les films Star Wars, à chaque fois que Luke y part, il se passe un truc avec R2-D2, hein. Soit ils sont enlevés ou quoi que ce soit. Où ça? Oh, il y en a beaucoup. Je ne fais même pas toucher, ah, attention. Bon, ça c'est des tout petites créatures, mais bon, oh le coup de pied qui a mis. Je suis où? Ah non. Ah non, c'est pas fini, à sa barre en haut. Attends, mais au pire, je vais là, regardez. Ils viennent pas, là. Sauf que je peux pas trop y aller. Ah. YOLO. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des YOLO. L'esquive que je lui ai mis. Il y en a beaucoup. Ah. Voilà. Et maintenant tu vas faire l'autre. Oh, ça c'est des grosses. Pardon. Quand j'ai dit que je suis malade, je suis obligé de toucher. Ils attaquent le mec là, j'ai pas vu. Oh, je lui ai fait John Cena là encore. Vu qu'il y a pas beaucoup de vie. Hein. Oh non, cette musique elle est copyright, je le sais, dans le premier il m'a fait souvent le tour. J'espère qu'ils l'ont retiré. Par contre, regardez-moi ça, quoi, c'est magnifique. En même temps, j'apprécie les graphismes, c'est pour ça que je parle pas trop non plus. Ça y est, on est sauvé. Oh, il y en a beaucoup là, j'avais pas fait gaffe. Alors là, j'en ai vu partir là-bas, je vais les rattraper. Je les ai pas eu. Bon, je vais retourner là-bas, sinon ça me fait un chèque. Hop là. De toute façon, ils vont mourir affamés, voilà. Enfin, de faim, ils vont mourir de faim. Ils vont mourir affamés, ça je dis aussi. Oh, le beau. Oh, ce bruit de sabre laser. Oui, j'arrive. En fait, je te protège là si tu vois pas. Eh, ça fait stress quand ils arrivent quand même. T'as un petit frisson de rien du tout. Bon, je dis pas que ça fait peur, loin de là. Raté. L'autre, le deuxième il m'a touché, mais le premier comment je fais l'esquive? Il y en a encore ou pas? Qui crante en un bruit.
Mais je me suis trompé, j'arrive. Ah. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, et ces bestioles n'ont pas l'air d'aimer ça. Dark Vador, t'imagines? Non, Dark Vador est censé être mort du coup entre le 6 et le 7. Trophée obtenu, l'observatoire, pardon. Oula. Est-ce que je suis malade? Vous insinuez que l'homme qui a détruit l'ordre Jedi en était un aussi? Non. Je dis que le petit garçon que vous étiez était effrayé par les mauvaises choses. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. L'empereur ne protège que des vieilleries. Ça ne vaut rien tout ça. Peut-être pas tout. C'est quoi ça? J'aimerais garder cette boussole, si tu veux bien. Ma mission est de détruire cet endroit, pourquoi je vous laisserai faire ça? Parce que je te le demande. Merci. Je ne t'empêcherai pas de détruire cet endroit. Mais tu ne crois pas que l'Empire a déjà fait assez de mal comme ça? Cette phrase, quoi. Je suis content qu'on nous ait réunis, Del. Alors c'est quoi le plan? On s'en va chacun de notre côté et on fait comme si rien de tout ça n'était arrivé? Je ne crois pas que tu puisses. Je ressens un conflit intérieur. Bien sûr que j'ai un conflit intérieur. Je ne suis pas aveugle. Je sais de quoi l'Empire est capable, mais... Que nous reste-t-il? Un choix. La rébellion? Non. Le choix de devenir meilleur. Que la Force soit avec toi. J'adore. Et les cheveux sont très bien faits comparé à certains jeux. Ravi de vous revoir, Agent Miko. L'amiral a ordonné l'extraction d'un allié impérial sur ma planète natale, Vardos. Je suis à droite. La cible est la tutélaire Gleb, une fonctionnaire qui a autrefois formé l'agent Ask et moi-même. J'ignore le lien avec l'opération Cendre, mais je dois faire confiance à l'amiral. Rendez-vous sur Vardos. C'est le Dauntless. Le vaisseau qu'on a secouru sur Fondor, qu'est-ce qu'il fait là? On dirait qu'il livre son chargement, il transportait tous ses satellites. Le Moffret a dit qu'ils étaient nécessaires pour l'opération Cendre. Mais il a refusé de nous donner la cible. Oui, tout comme l'amiral. Je sais pourquoi maintenant. Les satellites sont alignés, chef. Bien, excellent. Je ne vous ai pas appelé, commandant Versio. Est-ce que Vardos est notre cible? Oui, effectivement. Pourquoi? La planète et tous ses habitants, ils sont loyaux envers l'Empire. Ce sont les ordres de l'Empereur. Nous devons purger cette planète ainsi que plusieurs autres afin de répandre la peur et de rappeler à la galaxie tout entière qui commande. Il s'agit de notre foyer. C'est l'Empire, notre foyer, tu m'entends? Et nous nous en tiendrons aux ordres de l'Empereur. Je refuse d'obéir aux ordres d'un homme mort. Peut-être, mais en attendant, c'est à moi que tu obéis. Activez les satellites immédiatement. Mettez-vous en route pour Vardos immédiatement et récupérez la tutélaire Gleb. C'est votre seul et unique objectif pour l'instant. Ce sera tout. Voilà. Ce sera tout.
contacter l'agent Ask sur le Corvus. Et dites-lui que je dois lui parler au plus vite. Pardon. Je voulais dire que je pense que ça se passe quand même vraiment en fait entre l'épisode 6 et 7, c'est pour ça qu'ils l'ont créé. Sinon je voulais dire ce qui est bien avec ce personnage, c'est qu'elle est méchante mais elle a conscience de ce qu'elle fait en fait, et ça c'est cool. Elle sait que c'est dangereux ce qu'elle fait. Bon, j'avoue que des fois elle tue des rebelles, mais en même temps c'est un peu son but. Alors je crois qu'on était censé parler en marchant, mais bon, j'ai écouté toute la conversation. Embarqué. Vous avez reçu l'autorisation de quitter l'espace de Varnus. Vos réaffectations vous seront communiquées en chemin. J'aime bien parce que c'est dès que j'avance qu'il parle. Je visite un peu en même temps. Hein. Vous comme ça, ça a l'air marrant. Oh, ils ont pu mettre une petite danse de Stormtrooper. Hein. J'espère qu'on verra le Cantina Bar là, un jour. Ça n'a pas l'air d'être là, mais. Là, ça tatouille. Je peux pas mettre à première personne. Hein. Ils sont un peu immobiles, eux. Hein. Ah, ils bougeaient un peu, mais bon. Cet univers est vraiment bien. On passe de planète en planète, d'univers en univers. Là, on est vraiment à la ville. Ça a l'air d'être la ville dans Star Wars 7 qui se fait détruire. Là. La tempête est trop forte. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est 3 PO ? Des protocoles de sécurité ont été mis en place pour votre protection. Ne tentez pas de quitter Varnus. Les véhicules non autorisés. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Et R2, il est où au fait ? Cinématique, ça se passe comment ? Force spéciale, laissez passer. Là, tu me fais pas signe de la main comme ça. On t'a pas appris que déjà il faut pas montrer du doigt et te faire signe de la main. Oh ! Une statue du colonel, est-ce qu'il faut que je le détruise ? En tout cas, j'ai mon flingue, je crois. Ouais. Nous sommes vraiment ici pour une seule personne. Chercher les vaisseaux en fait. Les civils sont en danger de mort. Nous avons également mis nos soldats en danger. Regardez un peu la manière qu'elle marche, si c'est bien fait ou pas, et franchement c'est pas mal. Gleb supervise l'école de formation des futurs chefs impériaux. Elle crée des soldats efficaces et loyaux. Bon, la puce, il est fine goutte. Ah, c'est bizarre quand même, il peut très doucement. Et maintenant elle nous demande un service. Les habitants de Varnus sont fidèles c'est à l'Empire. Pourquoi devrions-nous les laisser souffrir? Tout ça, c'est pour le bien commun, commandant. Rien de tout ça ne me plaît. Varnus était notre foyer, Ask. C'est l'Empire, notre foyer. L'opération Cendre est un test pour prouver que nous sommes dignes de faire partie de ce qu'il va devenir. Vous parlez comme mon père. C'est peut-être. C'est qui ton père ? Les ordres de l'amiral. Je vous rappelle. Tout mouillé, ça c'est bien fait.
Je peux courir un petit peu là, je trottine. C'est pour ça que j'ai pas avancé à la cinématique, je m'en doutais. C'était logique. Moi, pour dire à l'endroit, je savais que j'étais importante, mais là, risquer la vie de sa fille. Cible récupérée, on y va, Gleb. Plus, elle me donne des ordres maintenant, c'est adorable. Wow, reculez. Tu reviens avec moi. Les autres ont qu'à rester là, ils sont pas importants. Allez! Commandant! Il y a un vaisseau sur la plateforme 2. Vous y serez en sécurité, allez-y vite, courez! Wow, qu'est-ce que vous faites? Stop! Nous devons nous en tenir aux ordres. Ça suffit. Tout va bien, on vous emmène loin d'ici, en route. Non! Vous ne pouvez pas... Je suis votre commandant, je vous ordonne d'arrêter! Eden, nos ordres sont très clairs. On nous a demandé de récupérer la tutélaire Gleb et elle seule. Mais les choses ont changé. Regarde un peu autour de toi, enfin. Est-ce que c'est ça l'Empire qu'on a connu? Del, je t'en prie, ne fais pas ça. Le rôle de l'Empire est de protéger les civils d'offensives telles que l'opération Centre. Nous obéissons au Nouvel Empire. Si c'est ça, le Nouvel Empire, alors je refuse d'en faire partie. Je répondrai aux ordres de mon supérieur direct. Ce sont vos ordres? Est-ce que ce sont vos ordres? Parce que si c'est le cas, c'est une trahison! Est-ce que ce sont vos ordres? Oui. Et j'ai aussi les miens. Laisse ton arme. Ton indiscipline causera ta perte. Amiral Versio. Le commandant Versio et l'agent Nico ont abandonné la mission, ils ont trahi l'Empire. Je suis désolé. Je vois. Ramenez-moi Gleb, ceci est votre mission. Je m'occuperai personnellement des deux traîtres. On n'a plus notre casque. Stylé. Alors je demande... Voilà. On voit qu'elle sait ce qu'elle fait en fait. Ne tirez pas. S'il nous repère, on est fichu. Je peux tester un truc. Ah merde. J'ai envie de recommencer. Tuez-moi. Allez, vas-y, tue-moi. Oh, je voulais être discret. Bon bah. T'es pas sérieux? Mais attends, mais la zone de spawn, elle est nulle. On vérifie ta zone de spawn. Grenade aveuglant, j'ai que ça, t'es sérieux? Ah, je voulais pas lancer tout de suite. Elles nous ont pas vu. Je suis avec vous, commandant. Ne tirez pas. S'ils nous repèrent, on est fichu. Nouveaux ordres. Sécurisez la zone. Ah. Oh shit, cours. Je peux pas faire de roulade et tout aussi. Ça me gêne. Ah! Analyse des menaces. Regardez, là, franchement, je suis vraiment une traite là. J'ai toujours voulu buter des Stormtroopers. Où ça? Je pense pas que ça va aller comme il faut. Je peux pas passer par là, j'imagine. C'était pas par là, à mon avis.
ça. La petite phrase qu'ils ont rajoutée est bien. Est-ce qu'il faut que je... Je sais que je peux appuyer sur carré, je suis pas con. Hein. Mais je voulais voir si sortir ça marchait. Ah oui, c'est vrai, notre petit robot, j'avais oublié. J'avais pas oublié, mais j'avais oublié qu'il pouvait pirater. Alors détruisons les canaux anti-aériens. Ça se présente très mal. Reprenez-vous, agent Lecoq. Sur le Corvus, il y a des civils qui comptent sur nous. T'as plus accès aux fréquences impériales. Le Corvus ne saura même pas qu'on arrive. Il y a des TVTT, par contre là, ça sent pas bon. Hein. J'ai tiré. Et qu'est-ce que ça me sert, ça? Une caméra ou... Analyse des menaces. D'où ils m'ont vu? Ok. On va jouer un peu à la première personne. Nous avons été condamnés à mort. Si on ne se défend pas, on mourra. Oui, commandant. Scan. La voix d'Idon Versio est vraiment bien faite. On peut neutraliser les systèmes anti-aériens droit devant. J'en ai vu là-bas. Ouh là là. On va essayer d'être discret, hein. La matraque, n'oublions pas. Discret, 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 discret. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, allez, coup de poire. Oh, je t'ai touché, arrête un peu. Je crois que je l'ai touché. Hein. Attends, pourquoi là j'ai un problème d'arme? Ok, 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 je vais revenir normal, je pense. Ouais, je vais peut-être partir là-bas. Et vas-y, explose. Ah, je vais me fondre dans la fumée, mais ça marche pas trop. Ah, faut rester appuyé. Oh, oh, oh non. Oh, ça a pas marché en même temps. J'ai déverrouillé des capacités. Ça, ça me plaît par contre. Ça, je vais prendre... Ah non, ça m'enlève mon détonateur. Je vais changer d'arme si on peut, voilà. Je voulais prendre celle-là avant. Ah non, elle est pourrie, c'est un sniper. On peut neutraliser les systèmes anti-aériens droit devant. Je vous suis. Parce que c'est pas discret si c'est pas silencieux. Headshot. Oh, apprends à tirer, ça arrive. J'aurais pas dû prendre cette arme. Ça te galère maintenant. Elle veut pas faire de roulade. Elle est vraiment puissante cette arme, mais faut vraiment pas la prendre. Droïde, tu me pirates ça. Équiper arme. Ah bah cool. DLT-19X ou DLT... Celui-là il est bien. Ah oui, ça c'est bien ça. C'est cool ça. Peut-être me mettre comme ça parce que la première personne est belle, mais je préfère avoir le personnage en entier en fait. On a plus de charisme.
Des vaisseaux qui s'enfuient. On n'est pas les seuls à vouloir se mettre en lieu sûr. Oh, j'en ai eu deux. Je peux détruire le robot. Non. Ça, c'est dommage. Oui, je suis un tueur de robots. Maintenant, vous le savez. Montre-moi les cibles potentielles. Ah, c'est là-bas, excusez-moi. Je ne sais pas lire. Cinématique, là, c'est ça? Non, non, pas de cinématique. Ah, peut-être que si. En avant. Est-ce qu'on peut tomber? Je crois pas. On peut tomber, on peut tomber. Par je préfère comme McFly et Carlito. Faites patrouille, hein. Nous passerons inaperçus. Entendu. Attendez mon signal. Droïde, neutralise-les. Attendez, attendez. Non, ça c'est peut-être pas la bonne idée. Barrage, oh super. Non, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais prendre le barrage, mais ça marchait pas. Pourquoi il me repère tout de suite? On est dans une prison là ou ça passe comment? Je crois que ouais, on est dans une prison. Mais retire ton pu... Mais retire ça! Ah, repli! Qu'est-ce que... Droïde, c'est quoi ça? D'accord, c'est une caméra. Ça va m'aider, ça, tiens. Je sais pas comment on peut être discret dans un truc comme ça, moi, d'avoir un silencieux. En fait, cette arme-là, elle est pas très puissante. Une bonne cadence de tir, mais elle est pas très puissante. Localisation des ennemis. Non, je m'en doutais. Je suis bugué. Ça, tu, c'est pas un bug trop méchant en fait. Je sais pas quoi, quoi prendre en fait. Pistolet. Bon, allez, viens, on teste un pistolet. Ça peut être intéressant en fait. Oh oui! Le réticule de visée, il est bon, hein! Oh! Eh! Hey, il est super bon! Montre-moi les cibles potentielles. Par contre, ma vie, ça change rien. C'est un peu logique. Et recule toi aussi. Attends, regarde. J'en ai eu autant. Je vois rien à cause des graphismes. Ah, on écrit, là t'en as besoin. Analyse des menaces. Ça, ça sert à ça, on va se le dire. Hop là! Oh, vraiment, j'adore ce jeu. Quand t'es... En fait, je vais vous expliquer un truc. Pour ceux qui regardent ce jeu et qui n'aiment pas forcément Star Wars ou qui n'ont jamais regardé, vous pouvez moins aimer en fait, parce que ce jeu représente tout Star Wars. Star Wars, en fait, c'est plus qu'un film pour moi. C'est un lieu, c'est. En fait, c'est... Je vais pas dire que c'est toute ma vie, parce qu'après, c'est un peu bizarre quoi, de comparer un film et sa vie. Et en fait, vous pouvez pas ressentir ce que je ressens. Quand j'ai un jeu qui explique toute son enfance avec Star Wars, c'est vraiment quelque chose de sublime. C'est pour ça que je rage pas quand je meurs, parce que ce jeu est sublime. Après, j'avoue que là, c'est, j'ai jamais vu ça dans Star Wars, la prison. Jamais vu ça. Ok, ouais, c'est nous, ça. Après, je suis illogique aussi, parce que je tire sur moi-même.
Quoi, c'est parce qu'en fait ça c'est une image pour dire on est recherché, mais si vous connaîtrez Star Wars, les images ne sont pas en affiche mais en hologramme. Donc je connais tout. Pour ceux qui regardent Star Wars, quelle est l'étoile dans le 4? L'étoile noire ou l'étoile de la mort? Ben, c'est l'étoile noire. Car celle du 6, c'est l'étoile de la mort. Je le sais très bien. La détruite quasiment, enfin celle qui n'est pas construite, c'est l'étoile de la mort. Non. Par contre, là, c'est pas cool. Ah, ça c'est une problématique. Scanne la zone. Voilà le marcheur. Les canons sont passés plus. Oh oui, dites-moi que je peux le prendre. Exactement. Détourné, attends, j'ai pas bien vu. Quoi ça? Oh, ma grenade elle est tombée. Oh, je voulais le prendre. Oh oui! Oh, j'ai vu enfin l'intérieur de la TBTT. Les fréquences impériales sont rétablies. Connectez-moi au corpus. Oh yes! Commandant, j'ai les civils que vous avez envoyés au vaisseau. Si je peux détruire ça, c'est génial. L'agent Ask va envoyer okay, je peux pas. Le capturer. Oui, commandant. Je suis avec vous, quoi qu'il arrive. Ah, c'est galère par contre, regardez le réticule. Oh, ils volent bien. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui est en train de rêver. Donc, je savais pas que c'était aussi puissant à percuter quand même. Ces ordres ne sont pas justes. Je vois pas trop bien par contre. Où sont-ils? Et ensuite, ah, ils sont là, excusez-moi. Non, mais je vois pas. Je suis en train de chercher partout et c'est galère. Et après, ça retombe très lentement quand même. Allez! C'est pour le portail ça ou... Casse-le! Eh, une bonne résistance ça! Ah bah non! En fait, pour que je sois concentré, il faut pas que je vous parle, mais moi j'ai envie de vous parler, quoi. Mais vous avez beaucoup de chance face à ça. C'est pas par là que je dois passer ou... Ah si, d'accord, excusez-moi, je crois vous. Allez, laisse-moi passer. Oh! Ah, il s'arrête. Voilà. C'est terminé. Non, donc là, c'est bien l'Empire en fait. Le premier ordre n'existe pas encore. C'est bien ce que je me disais. Voilà. Là, j'ai détruit, il devrait me laisser passer. Hein. Là, l'antenne de visée principale. En la détruisant, nous neutraliserons toutes les. Il y a tellement de corps par terre et de débris et tout. Commandant, faites sauter cette antenne de visée. Allez, géante cette antenne. Elle va se détruire comment? Alors apparemment ça serait possible de mourir, mais je me demande ce que ça fait. J'ai pas envie de tester en fait. Oh mais t'es beau toi. Allez, laisse-moi passer maintenant. Voilà, merci. Je vais approcher le plus possible. Oh j'ai raté, mais quel boulot. C'est galère, hein, ils bougent dans tous les sens, le réticule et tout.
Ah par contre là, carnage. Une barricade nous empêche d'avancer. C'est des Stormtroopers, là je suis content de ce que je fais. Ah je l'ai pas vu. On va crever. Oui bah je l'ai vu, non il est devant moi en fait. Ah d'accord, il y en a un autre qui arrive. Ça te galère, là je sens que c'est la phase finale mais c'est galère. Wow, 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 bon on va crever là. Littéralement, allez. Allez, allez. Ah TBTT. Mais c'est des malades. Mais arrêtez ça. Mais esquive, je sais pas. Continuez à tirer dessus, on a nulle part où aller. Ouais bah attends, parce que là j'ai un problème. Allez, oui. Que je peux recevoir un tank de ressources d'énergie et pas un vaisseau. Oh je l'ai fait taire, sauf qu'il est pas détruit. Je l'ai encore fait taire. Pas fini, voilà. Corvus, nous y sommes presque. Plus vite, commandant. La tempête. Ah bah là il me reste 100 barres de vie là. C'est vraiment là il n'y a plus rien là. Ah bon bah j'ai réussi. À moins que j'ai pas réussi. Non. Si j'ai réussi. J'ai réussi. Ces éclairs court-circuitent le système. Il nous faudra du temps. Et bien en tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un petit like. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis ciao tout le monde et je ne tuerai pas ce Stormtrooper. Allez tue-moi, tue-moi, tue-moi. Je peux le faire Billy. Allez Billy. Oh bah voilà. Allez tue-moi. Ils veulent pas me tuer. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi, de lâcher un petit com. Moi je vous dis salut tout le monde.